Bonjour, je suis Bruno Chavagneux, je suis le directeur d'exploitation de cette plateforme Diwi. Je travaille pour la direction des partenariats de l'innovation au sein de l'École des mines de Saint-Étienne. Alors Diwi est une composante essentielle de l'usine du campus Région du Numérique. L'École des mines est le chef de file de ce consortium qui associe à travers des partenaires publics et privés des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des industriels. Et Diwi, c'est aussi une usine école à l'échelle 1 qui propose des ateliers autour de la flexibilité, de la reconfigurabilité, autour d'un atelier Lean connecté, autour d'un Fab Lab industriel et d'une salle industrie des procédés. Il était essentiel d'intégrer un ERP puisque l'ERP représente la colonne vertébrale d'un système d'information et de la continuité numérique des solutions. Et Diwi étant une usine-école à l'échelle 1, on se devait de s'appuyer sur un ERP industriel réaliste. OpenProd fait particulièrement sens sur l'industrie 4.0 puisque c'est un ERP d'aujourd'hui mais aussi de demain. Il est particulièrement ouvert pour connecter les briques technologiques et les autres solutions de l'industrie du futur. OpenProd nous apporte la possibilité de connecter les briques du 4.0, en particulier le lien vers le MES pour piloter l'atelier et gérer les événements de ces ateliers, le lien vers la planification et le pilotage des flux, la simulation des flux, et enfin le lien vers la CAO, par exemple, pour la réalisation des nomenclatures en automatique. Alors l'ERP est déployé sur l'ensemble de ses fonctionnalités et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et à travers des scénarios pédagogiques, des scénarios de démonstration, des cas d'usage, on peut déployer, démontrer, tester la saisie de commandes, la génération d'OF, la remontée des informations, la mise en stock, le configurateur de prise de commande, etc. L'ERP OpenProd est particulièrement adapté à notre environnement et à notre contexte d'industrie du futur, puisqu'il est full web, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'installer des clients lourds. Il est particulièrement ergonomique et, comme je l'ai déjà dit, ouvert vers la connexion, l'interfaçage aux autres briques de l'industrie du futur. Alors, une équipe projet s'est constituée dès le départ de notre projet, avec un consultant ERP OneLife, la direction de l'innovation chez OneLife également, et l'équipe d'exploitation Diwi. Et on a pu ainsi déployer en quelques mois l'ensemble des fonctionnalités de l'ERP OpenProd et constituer les scénarios pédagogiques, les cas d'usage et de démonstration que j'ai évoqués précédemment. Écoutez, l'avenir de Diwi est plutôt prometteur. On dispose aujourd'hui d'une plateforme entièrement équipée avec les dernières technologies, dernières solutions up-to-date. On a une offre de services riche et complète autour de services, mais aussi de modules de formation. Et on a un écosystème extrêmement pertinent de compétences et d'expertise pour accompagner les entreprises vers les transformations numériques, vers les transformations, vers l'industrie du futur.